Alors, donc on est de retour. Ah oui, un déconfinement. Un déconfinement total. Ouais, une décomposition totale. Tu es vivant encore, tu es toi. On a apporté le boisson. Est-ce que tu es encore vivant? Ouf. Ouais. Donc, ça fait deux mois qu'on ne s'est pas vu. Hein. Non. Il s'est mis en deuil déjà. Il s'est mis en deuil. Est-ce que tu nous ferais un petit cacaraca? Oh là là. Ça va mal. Cacaraca. Ça va mal. Il bat de l'aile. Je remonte la corde, vas-y. Je remonte la corde derrière. Tu fais tomber tes choses. Oh là là. Bon, c'est mon préservatif. Allez, mettre. Oui, il faut enlever 3 kilos. Allez, vas-y, allez. Attends, mais lève le sac. Lève le sac. Le feu de fond. 98. Alors, on est à combien, là? Oh là là, 90, non mais il n'y a plus là, non mais vas-y, tu n'as pas besoin d'appuyer. Alors 90 90 ah oui, 300 il m'a pesé le docteur. 90 il m'a pesé le docteur. Attends, ça prend 300 grammes ça. Il t'a pesé le docteur. Tu as normalement maigri. 90 kilos. Quoi? Elle est à zéro là, elle peut pas la prendre. Elle ne trafique pas ça, ça ne trafique pas. Non, elle ne peut pas trafiquer. C'est électronique. Patrick, comment ça se fait que tu as grossi de combien de 4, de 3 kilos? Il m'a dit qu'il était à des billets. Quand je l'ai appelé, c'est une grossesse nerveuse, peut-être. Ah, peut-être. Non, mais tu sais, c'est le stress de la maladie. J'ai perdu, j'étais à 79. Tu as pris 20 kilos d'un coup. Tu as grossi de 20 kilos. Pas qu'elle est bidonne, ta malade. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu veux te faire? Vas-y, dis-moi. Il n'y a aucun réglage, tu regardes. Monte-toi. Il va. Tout le monde, Patrick. Il a touché, il a mis à zéro. J'allume. Il a mis à zéro. T'as vu, il a tourné la molette. Il a mis à zéro, il n'y a pas de molette. 79. Eh ben, vous avez 11 kilos d'écart. Attends, non, mais là, attends, faut que on remette à zéro, Fada. Je suis jamais venu. C'est con. Je suis jamais venu. Ah, j'ai pas non plus, je connais pas. J'ai oublié de porter la coque. Ah, moi, il n'y a plus. Dans 3-4 minutes, là, c'est tombé. Ah ouais? Ah ouais. Bon, ça va la reprise, comment ça se passe? Ben ça va, sur le plat. Oui, sur le plat, ça va. Sur le plat, ça va bien. Vous vous régalez? Ah, vous n'êtes pas bien? Écoutez les petits oiseaux. Cui, 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 boum. Ouais, il me semble qu'il est cuit, l'oiseau. Ouais. L'oiseau bleu. Assassin! Tu seras où le 2 juin? Parce qu'on part en Bourgogne le 2 juin. Le 2 juin, je suis à Chanteclerc. Qu'est-ce que tu vas faire à Chanteclerc? Je ne sais rien. Tu es en vacances? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas en vacances, ils vont me faire le vacances. Il a une chambre individuelle. Ah, tu as retenu. Parce que les hôtels étant fermés, en fait. Oui. Les hôtels étant fermés, il s'est débrouillé, ce salopard, pour se faire interner dans un établissement de santé auprès de la princesse. L'hôtesse a une petite blouse blanche. Ouais. Rien dessous, bien entendu. Ah, bien sûr, c'est le fantasme de l'homme, ça. Voilà, jupette. Ah, à Chanteclerc. Et tu restes combien de temps à Chanteclerc? Normalement, d'abord, j'espère que je vais me réveiller. J'ai dit à un destin. Ah, aïe, aïe, aïe. Je vois que le moral est au fixe. J'ai dit au moment où j'avais jamais mis les pieds nulle part. Oh putain, ça se trouve. Ah, mais oui, vous vous réveillerez. Oh putain, ça se trouve, tu ne réveilles plus. C'est vrai, c'est ça que j'ai peur. Eh ouais. Eh ouais, c'est ça, c'est... Chanteclerc, ouais, non, c'est joli comme nom. Oui, c'est beau. Hein? La pension Chanteclerc. Ouais. Mazette. C'est comme comment c'est la pensionnière. La pensionnière. Ah. Ah, peut-être. Oh Il me postillonne dans la figure. Oh, tu dragonnes si tu meurs. Ça fait quoi? Ça fait 15 jours que tu es retraité? Ouais, je dragonne, je suis en retraite depuis 15 jours. Ouais, tu risques de ne pas leur revenir cher. Grâce hein. À Patrick Argenbo. Et là, il y a jackpot, paf, de plus. Tout est touché 3 000 euros par mois à la retraite pour ceux qui sont gagnés. Mais qu'est-ce qu'on fait chier avec des chiffres, un peu de tête comme des chiffres. Et puis tu peux mourir cardiaque quand tu lâches le coup. Moi je te dis que c'est... C'est une cabale.
Je pense que c'est une cabale. Hein? Ah, il serait possible qu'il y ait une cabale. Oui, il est très fort possible que nous ayons droit à une cabale de la part du gouvernement. Je pense savoir d'où vient cette cabale. C'est magnifique. Et moi, ce qui me dit, c'est toutes les massugues. Les massugues. Je lui ai dit l'autre jour, un mec qui parlait provençal, c'est provençal actualité, qui parlait bien provençal et tout, qu'est-ce qui m'a fait la catastrophe? Avouez, les cistes sont en fleurs, regardez. Je lui ai dit, ah, bon, comme lui là, t'as, il parle anglais, ben moi. Attends, un peu de liberté, allez, monte, bras en V. Visco la liberté! Voilà. C'est un dernier cri après. Eh oui, il y a eu des résistants ici. Oui. C'est pas le flux sur le grenache, c'est pas avec le vin de le raisin de. Quitter le GR, continuer tout droit jusqu'à. Très bien, chez moi de vigne, comme la ça. La stèle de la résistance. Ouais, mais tout droit, ou tout droit. À droite ou à gauche? On va faire le prieuré, il a dit. Non, là, on va aller à droite, on va aller voir le prieuré de Notre-Dame. Non, moi j'ai pas. Quitter le GR, continuer tout droit. Je serais bien aise que tu me respectes. Continuer tout droit, parce mais que j'ai quand même un pas. Patrick, choisis ta place. Mais regarde, on le reconnaît bien. Patrick. Hugolin. Tiens, une fois que tu es au caillou, il a fait tout le monde. Et bon, allez, tu es dole. Tu ne connaissais pas quelqu'un. Quelqu'un devait dire à Patrick. Allez, je tiens le vieil. Ne me touche pas, putain, tiens le mur. Arrête. Ne le touche pas. Ça me prie. Et pitié de lui. Tu es venu? Ouais. Non, je marche pas, je ne veux pas choper le corona, imbécile. Oui. Oh, il est malheureux à mourir, du tout. 13 lingots et l'inutile de Pépé, les deux là, ce sont des lingots des plus. Moi, il dit pas du mal. Mais, tu sais de punaise. Tu as dit Bernard, il sait pas où on va. Ouais, il a pas touché le balance. L'émission de Bravo là. A guess pas crainte. Ouais. L'émission de Bravo, le secret de Jupon. A guess pas crainte, mon beau. Oh, il a le t-shirt de Provence. Bon, Patrick. Alors, regarde cette vigne. Oui. Septembre. Quand il y a le raisin, oui. C'est un Mao Fatan qui vient avec son appareil. Ouais. Qui... Donc, toi, tu veux voler du raisin, c'est ça? Non, moi, je veux déguster. Il t'attend pas un mètre là-haut. On regarde le type là-bas. Il t'attend là-bas. Non, il t'attend plus. Je veux déguster du jus de raisin. T'es pas un mètre. Que notre ami. T'es pas un mètre. Que notre ami Alain, grâce à son appareil. Ah, juste un ami là. Comment on te critique? Il est beau cet arbre.
pousse l'arbre. Comme ici, Malin. On mange là alors. Alors moi, alors Marc, on est bien. Là. Qu'est-ce que tu penses? La pierre, toi. C'est bien toi? Va t'asseoir à la pierre. Non, je lui mets moi la pierre. Ne touche pas. C'est bien? Oui, je suis très bien là. Moi, je suis très bien. Je suis très bien moi aussi. Ah. À part que Patrick il a le virus des couilles là, je sais pas comment il s'appelle ce virus. Le rose, je transpire, j'ai la fièvre. Voilà. Ah ouais. Il m'a foutu la touche. N'aie pas peur, touche, j'ai la fièvre. Oh putain, il est chaud. Il est chaud, j'en peux plus. Ah ouais. J'en peux plus, Patrick. Il m'a foutu cette merde qu'il a lui là. Ben c'est normal, c'est pour la maladie, tu ne sais pas ça? C'est pas de vraies roses. C'est pour la... si les roses attrapent la maladie, c'est que la vigne est malade aussi. Non, c'est un indicateur. Non, ça empêche d'aller sur la vigne. Non, c'est pas, ça empêche pas. C'est que c'est l'indicateur du milieu. Ici, nous sommes où ça? Saint-Estève. Donc c'est un petit hameau qui est à côté de Breuriac. Oui. Ouais. Oui. Donc avec le castel ou des Saint-Estève. Alors il y a un castel, le castel, on va aller le voir là-bas. Pour un plus large public. Perdu de vue. Laisse un peu les coquelicots là. Un point à pied là, partout. Je sais pas. Oh, comme ça. On voit une grande bâtisse en pierre marron, en pierre ocre. Et là. Il y a une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une crise d'épilepsie. Il y a ouvi le couguet au canta, voilà. Oui. Et court le couguet au canta, voilà. S'il faut barula d'une l'herbe. Voilà. Ah, oui. Pas mal, bien, pas avoir mal aux oreilles toute l'année. Voilà. Regarde comme il a l'air intelligent. Voilà, Patrick. Hein? Mais pourquoi c'est ça? Il te faut tourner comme ça. Faut tourner complètement. Attends, je vais t'aider à te tourner. Allez, tourne-le. Allez. Claude, je t'appelle au plus. Je t'appelle plus. Pourquoi Claude? Allez. Thank you.
l'arbre. Ouais. Je ne prends pas les photos. Et là, j'ai pris deux fois la bain. Moi, je l'ai rechargé hier. Je me suis dit, depuis le temps qu'on ne marche plus, je... Bon, moi, je l'ai mis à la maison aussi, il est chargé. Ah, c'est à moi que j'ai filmé. Ah, qu'il est malin, là. Il disait rien. Il attendait que je dise nos conneries. Tu sais. Il attendait que oui. Tu dises du mal de ton ami. De Patrick, mon cher ami. De monsieur Arguimbo. Mon cher ami. On va profiter qu'il n'y a pas Patrick pour dire du mal de lui. Ouais, vas-y, dis bon, un peu de mal. Allez, Jacques, à toi de parler. Bernard, à toi de parler. Ah, non, vas-y, alors. Allez, Claude, à toi de parler. Quoi, oui. Depuis le temps que j'ai moi, j'aime bien Patrick. C'est pas foudre de guerre. J'ai toujours bien aimé Patrick. C'est vraiment un grand, brave garçon. Oui. Oui. Regarde la caméra quand tu dis ça, Claude. Regarde dans les yeux. Je regarde dans les yeux, c'est ce que je pense. Il m'a toujours rendu service, c'est vraiment gentil. Quand je suis fatigué, il m'attend. Il me porte mon sac. Il me donne un peu de son sandwich, de son noir. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes, il toi aime un peu trop, la caméra. L'honneur de son amitié. Un peu de protéines aussi, le cheval, la figure. Ça entretient l'amitié. Ça, il me remercie. Lui, il me l'a dit personnellement. Il a des beaux cheveux, parce qu'à côté de moi, il m'a dit j'ai des beaux cheveux grâce à toi, Claude. Oui. Et je t'en remercierai toute ma vie. Il faut dire quand même, Patrick, quand il dit rien, c'est un charmant compagnon. Exactement, et quand tu dors, encore mieux. Mais cette nuit, il n'a pas beaucoup dormi. Il n'a pas dormi cette nuit. Cette nuit, il a dit lui-même. J'ai pas dormi cette nuit. Il avait le souci de la randonnée ce matin. Ah ouais, le souci. C'est lui qui a organisé, pourtant il lui a dit c'est tu crois qu'il y avait du souci, Jacques? Oui. Le souci de la randonnée. Ouais, c'est très beau. Le redémarrage, tout ça. Bon, alors. Sorti du confinement. Ça a travaillé, ça. Rassure-nous, c'est que le souci de la randonnée. C'est pas. C'est pas un souci d'ordre médical. Non, je ne le pensais pas. Toi, tu postillonnes pas, tu peux me parler sans masque. Parce qu'il pense qu'il va mourir le 4 juin, c'est ça? Peut-être avant. Non, l'être-quatre, c'est l'anniversaire. Ah, c'est pas sûr qu'il arrive. Au solstice. Il fait le show, il a dit, mais. C'est-à-dire, il a. Milieu pour savoir. Partez, va aller chercher quelques-unes pour ta femme. Ah, t'as plus rien. Putain, c'est normal, quoi. T'as vu le bruit que tu fais, vous faites, hein?